ça tourne. Yeah. You want to see the studio? Yeah. Come on, motherfucker. Thank you.
celui-là. Hein. Quand tu m'accordais. Peut-être qu'on peut, on peut partir peut-être sur The Art of Dying. Ouais, bon gros pavé au milieu, c'est bien ça. Ouais, ça va le faire. Vas-y, je peux noter bien. Ouais. Alors, The Art. Thank you.
Merde, on est où là, bordel? Prochaine station, Ramonville. Université Paul Sabatier. Prochaine station, Rambeil. Saint-Agne SNCF. Prochaine station, Palais de Justice. Empalo. Ramonville. Station Terminus. Passager ne doit rester dans ce tram. Spectacle de cette édition en compagnie de Joe, le leader du groupe landais de death metal Gorilla. Quand on monte sur scène, c'est comme si on rentrait dans l'arène. Il y a une espèce de communion, de transe collective, de combat intérieur, de dépassement de soi-même. Il y a un vrai truc qui se passe qui est ultra puissant. Et on est tous au service de ce truc-là. Et c'est un truc qui est difficile à définir. C'est une énergie brute. Pour moi, c'est une finalité, c'est la consécration de tout ce travail qu'on est en train de faire. Il y a tout qui remonte à ce moment-là, quoi. Chaque soir, on doit monter sur scène et on doit vraiment tout lâcher, tout donner. Il n'y a pas de demi-mesure possible. On sait que c'est comme un combat, qu'on a fait beaucoup de route et qu'on a passé beaucoup de temps à attendre pour une heure de spectacle, une heure de partage avec les gens. Et le mot d'ordre, c'est qu'on donne tout jusqu'à la dernière goutte de sueur. Vas-y, rejoue ce que tu veux. They tell you how to find that right.
À votre disposition pour faire de ce vol un moment agréable. Ladies and gentlemen, your Air France magazine will find some useful tips about your flight, as well as information about... Elle tient pas bien. Non, là, l'aile, à mon avis, a un souci de boulon. Oula, y'a rien. Il est pas sûr de lui, le petit bâton. Je le sens pas sûr de lui, déjà.
incroyable. On est où? Houston. Il fait combien de degrés là? 2000 degrés. Everybody, you know, for the other bands, just kind of standing there. But then when you guys came on, everybody went nuts. Yeah. What is it about you guys? Why do you have more charisma than the rest of these guys? What is it? What is it about you guys? I don't know if it's more charisma or anything, but we believe, we deeply believe in what we do, and we're dedicated to this music and to this life. Yeah. It's a life, you know. Yeah. It's as simple as that. It's a life. I mean, we put everything on into this music and touring and recording albums and being honest in our lyrics and everything. And it's a life. We give everything. All our energy goes in this music.
see, dude. Fucking wipe the shit out, dude. Thanks, man. Yep. Nice shout out. Thanks. Your name? My name is Remy. I work for the heaviest matter in the world, Gojira. Okay. What is your name? Scott Yelverton. What do you do in this team? I do drums for the crazy one. Not him. Oh, okay. Your brother. Are you a drummer yourself? No, I'm a guitarist, but he's too crazy. I love the spiritual aspect of their music and, you know, all the positive, bringing positivity to metal, and but they're so heavy at the same time, you know. I like how ridiculously heavy they are, but how clean it is and, like, technical all at the same time. It's definitely a wonderful gift to see that in metal nowadays. There's a message to it, and then the music kind of puts an emotion to it. One word to describe Joe Sharon, what would it be? Spiritual. You guys making some art? The good thing is that it keeps us really quiet during the day. To come here from France, about 9,000 miles or something like that. So, quite a long trip to see you guys tonight. So now it's your turn to show us what you fucking got. Are you ready? Thank you.
Ouais, ça va. Ok, un petit morceau pour vous, ça s'appelle Flying. Est-ce que tu es prêt psychologiquement pour être mis dans une bulle ? Oui, j'ai déjà battu le Guinness Book des records en 1987 lors d'un contest de bulle où j'ai fait le plus de sauts dans la bulle en moins de 4 secondes. Et est-ce que tu es prêt psychologiquement, mentalement, physiquement pour battre ce record ? Oui, complètement. Je me suis entraîné pendant 4 ans. Donc ça, c'est... Ça, c'est pas tout à fait un café. C'est la préparation pour, voilà, pour être en bonne condition pour la bulle. Alors oui, c'est un mélange de Red Bull, de Monster, avec un concentré de caféine. D'accord. Et cette boisson est à base de molécules de légèreté. Avec ça, on perd 10 kilos pendant 23 minutes. D'accord. Ah.
c'est moi qui l'ai inventé celle-là. D'accord. Donc je ne dis pas tous les ingrédients qu'il y a dedans, c'est secret. Tu permets qu'on filme quand même? Non. Non, non, okay, vous pouvez voir les molécules. Ça s'analyse très vite aujourd'hui. Ouais. Donc là, on voit la préparation de la bulle. Voilà, c'est mon coach. Je crois que nous assistons là un peu à l'exploit. Ça arrive mal, quoi. Eh, Crapouillot, essaie de tenir debout. Mario, à quelle heure il joue Face No More? À 17h. Mario, à quelle heure il joue The Mars Volta? À 21h. À quelle heure il joue Down? À 19h. À quelle heure il joue Nine Inch Nails? À 1h. Mario, à quelle heure il joue Isis? Ils sont en train de jouer. Thank you.
attendez, on n'est pas chaud encore là. Ils sont pas chauds non plus. Nous non plus, ouais. Et c'est quoi ce bordel? Il n'y en a qu'une qui danse ici là. Faut bouger un petit peu. La caisse. Mario, fais gaffe où ça va. C'est ma mère qui danse. La maman de Criquet aussi, elle danse. Thank you.
Metallica, c'est les maîtres incontestés du style. C'est un sentiment qui peut paraître démesuré, mais ça dépasse le rêve, quoi. Ça vient toucher à la structure intérieure de l'être. Ça secoue à un tel point qu'on se dit, mais un rêve, ça peut se réaliser. Donc c'est quelque chose qui peut aller loin, quoi, finalement. Dans la réalité des faits, c'est quand même un changement de dimension, quand même. Pas d'acuité toxique. Oui, j'ai bien compris. Au prochain. Il faut forcer sur les. Oui, c'est sûr. C'est bon, on y va ? Et on s'amuse, on s'éclate, quoi. Oui, oui, comme dans clair. Le bar, quoi. Ouais. Ouais. On fout le dawa, on va voir tout le monde. Ouais, on ouais, d'accord, les mecs ? On s'amuse, quoi. Vraiment, comme dans le bar, tu vois. On... Et oui. On reste simple.
attiré par ça. Ha ha ha!